parents ou qu'il pense quelque chose. Et donc l'homme sans doute qui m'a donné les leçons de vie les plus profondes, qui était né vers 1910, qui a traversé la révolution mexicaine, qui était parti se faire humilier en essayant d'aller travailler aux États-Unis, qui avait traversé la guerre de Cristeros, qui a ravagé la région dans les années 30, et qui était un personnage à la fois plein d'humour, plein de générosité, de bonté. Adiós, Ricardo. ¡Viva!